el tiempo está en contra de mi cuerpo. Y mi arma. Bonjour, bonsoir, bonsoir et bonjour, mesdames et messieurs, mes chers amis, mes chers viewers, tout ce que vous voulez. Surtout mes chers abonnés. Le mec. On a fini Super Mario 64, j'ai passé un merveilleux moment dedans. Je suis très sérieux. J'ai rêvé, ça m'a refait penser des bons vieux souvenirs. J'ai galéré, je me suis énervé comme pas possible. Mais j'ai réussi à le faire. Et j'en suis très heureux. Adieu Mario 64. Non, je suis con. Bref, Super Mario Galaxy. Et on va jouer à toi, puis c'est tout. Vous êtes en compagnie de Tonton Jordinou The Dreams, le créateur de cette chaîne. Je préfère me le préciser pour certains. Bon, cette fois-ci, je joue tout seul, comme d'hab, pour l'instant. Ma nièce et mon neveu. Ils ont un peu les cours, mais bref, on n'est pas là pour en parler de ça. Mais nous allons jouer à Super Mario Galaxy, ça c'est un jeu qui me fait extrêmement plaisir. Super Mario Galaxy, c'est la nuit du festival des éclats d'étoiles, mais Bowser profite des festivals... Non, Festivités, merci tonton, pour enlever la princesse Peach et son château. Et les envoyer dans l'espace, laissant le pauvre Mario en orbite. C'est là que Mario fera la rencontre de Luma, notre belle petite étoile. Un enfant étoile et d'une mystérieuse femme en bleu. Intéressant ce kit. Ce jeu introduit de nouvelles manières de contrôler Mario en pointant ou en secouant la manette. D'accord. Par exemple, tandis que notre héros explore des planètes miniatures à la gravité particulière. On a 10 langues. On choisit laquelle ? Non, je rigole, on reste en France, français. Du coup, c'est parti, on va commencer. Magnifique, franchement, ça, ce genre de miniature, on va dire ça comme ça, c'est magnifique. Ce son, putain, oh, je vous jure. C'est vraiment le Mario, le Super Mario que je kiffe le plus au monde, putain. Je reviens. Écoutez-moi ce son. Merde, je l'ai enlevé comme un con. Intéressant. Je regarde si tout va bien de mon côté. Oui, très bien. J'espère que vous entendez bien le son du jeu, le son de ma voix. Parce que ce serait con sinon. Appuyez. Sur l'écran, non, c'est pas possible. Oh, ça fonctionne comme ça. Oh putain, mais c'est vraiment magnifique. Je pensais qu'il fallait détacher du je sais plus comment ça s'appelle, la merde, qui est déjà dans la boîte de la Switch. Le truc pour enclencher les deux manettes. Du coup, on choisit le numéro 3. Non, on va choisir dans l'ordre. Par contre, là, j'ai toujours pas compris pourquoi il y en a autant. Je sais pas. Voulez-vous créer un nouveau fichier de sauvegarde? Annuler. Dommage qu'il n'y a pas la version Mi, parce que je m'en souviens qu'on pouvait choisir les Mi dans la Wii. Je vais pas choisir Mario, mais je crois que je vais choisir Petit Yoshi. Oui. Parce que pour être franc avec vous, je suis pas Mario. Je suis plus Team Luigi. Je préfère mieux... Oh putain! Je m'en souvenais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Bon bref, on s'en fout. Copier, icône, effacer. Joueur 2.
Non, je suis tout seul, malheureusement. Ma petite sœur, c'est quand j'ai dit que j'allais faire ce let's play, elle aurait bien voulu le faire avec moi. Mais bon. Cette année-là, au-dessus des royaumes champignons apparut une comète qui couvrit le firmament. C'est la première fois que j'entends ce mot. De cette comète qui revient tous les 100 ans, tomba une pluie d'étoiles filantes. Les Toans ramenèrent ces éclats d'étoiles au château où ils se transformèrent en super étoiles. Cela aurait dû être une grande joie pour les habitants du royaume champignon. C'était la nuit du festival des éclats d'étoiles qui se tient tous les 100 ans, veuillez me pardonner, en l'honneur de la comète. C'est chaud. Cher Mario, je t'attendrai au château le soir du festival des éclats des étoiles, pardon. J'ai quelque chose à te donner, une pitch. Je peux pas faire une voix féminine, ok? Ne m'en voulez pas. Putain, c'est beau. Non, mais c'est... Oh là là là. Je pensais pas que je pouvais le faire ça, comme ça, tout seul. Oh. Rien à signaler. Mario, tu es notre dernier invité. Oh, ça change pas le trip, ça. Ok, je peux... On t'attendait. Le festival des éclats d'étoiles a commencé. Je sais pas si ça sert à parler, mais on s'en fout. Vite, Mario, viens ramasser les fragments d'étoiles avec nous. T'inquiète. Bienvenue au royaume champignon. Bonsoir, Mario. Tu veux me donner quelque chose, mon ami? Pour ramasser les fragments d'étoiles, vise-les avec... Ouais, la manette, on s'en cogne et touche-les avec le curseur. T'as ramassé des fragments d'étoiles. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand j'ai joué plusieurs fois Mario, je crois que je l'ai joué à 3 fois. Là, je crois que ça va être ma 4e. Bref. Je ne lis pas les jeux, en fait. Et grâce à YouTube, maintenant, je lis. Et c'est très important. Et je viens d'apprendre une chose. Ici, la vue est splendide. Tu m'étonnes. Mais par contre... Oh, Mario, tu es venu. Nous ramassons plein des éclats d'étoiles. On les appelle aussi les fragments d'étoiles. Je savais pas que ça c'était grâce à ça qu'on pouvait faire les étoiles de puissance. Tout le monde adore ramasser les fragments d'étoiles. Sans blague. Il y a plein d'éclats d'étoiles. J'en ai ramassé plein. Ouais, mais moi j'en ai ramassé plus que toi. La princesse Peach t'attend au château. Par contre, les petites maisons comme ça, c'est mignon. Oh, bonsoir. Chut.
Merde, pff, j'ai cru que je pouvais le faire maintenant, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, Bolzul. Attends, mais je t'ai pas dit de sauter ça. Tu dois protéger la princesse. Va vite la rejoindre, ouais, t'inquiète, je vais la rejoindre. Blablabla. Merde, putain. Ah oui, d'accord. C'est vrai que... Ok, là, ça sert à... Ok, c'est bon. Bon, on va pas tous les nier, le festival est gâché. On a mis le temps prisonnier, la princesse est atteinte. Hein. On peut essayer de les briser. Allez, attention, Mario. Oh là là, Super Mario 64. Comme par hasard. Allez, t'inquiète, j'y arrive, ma princesse. Par contre, le château il est devenu beau, putain. Il est beau, en tout cas. Ah putain, quelle belle cinématique. Oh, je suis fatigué, je veux dire. De base, c'était pas prévu que je tourne l'épisode maintenant. Mais bon, j'avais envie de jouer. Ça y est, tu te réveilles. Alors viens jouer avec nous. J'allais dire avec moi, mais non, c'est avec nous. Pas ici, saute en appuyant sur B. On peut sauter sur A ou sur B. Il nous le précise pas, ça. Le mec qui se met à faire de l'ASMR. Attendez. C'est vrai que... Merde. Ok. Ça va plus vite, ça va beaucoup plus vite que Mario 64. Attendez, what the... Ah ok, c'est bon. Oui, c'est bon. Jouant à cache-cache, je te dirai quel est cet endroit si tu nous attrapes tous. Écoutez, on va attraper. D'accord. Vous êtes mignon, mais qu'est-ce que vous êtes chiant? Ça fait mal un peu aux yeux, non? Ouais, je m'en fous. Viens ici. Zut, tu m'as tapé, chien. Zut, j'aurais dû me cacher dans un trou. C'est quoi ce pince?
Stylé. Oh, ça doit sûrement vous péter les yeux, là. Bien ici, je t'ai dit. La putain de tasse. Vas-y, tu m'as attrapé. J'aurais dû me cacher dans un trou. C'est celui-là qui doit parler. Ou pas. Non, c'est... Oh, tu vas où? Je t'avoue que ça me pète les yeux, là. Ah, je me suis dit, je peux plus faire ça, mais en fait, si, je peux toujours le faire. Bon, il est où, ce con? J'arrive par contre, toi. Arrête, quel dommage. Je t'ai chopé. Bravo, tu nous as tous attrapés. Tu devrais certainement pouvoir aider maman. Maman? Maman? Ça craint un peu que... Harmonie fait de sorte de bébé d'étoile, non? C'est un peu space quand même. Hein. Désolé de t'avoir fait venir ici, si soudainement nous nous trouvons sur un astre qui relie la Terre et l'espace. Nous l'appelons le portail céleste. Ok. Notre maman t'attend là-haut, va et écoute sa requête. Si j'ai pas envie de l'écouter, ta mère. Elle est belle, hein. Elle est grande, mais elle est belle. Je t'observe depuis très très longtemps, depuis ces endroits, le portail céleste. Mon nom est Harmonie. Je suis la vigie des étoiles. Pour retrouver ce qui t'est cher, tu auras besoin du pouvoir de voyager à travers l'univers. Je te confie ce Luma. Luma. Ouais, vous pouvez à présent tournoyer. J'étais là... Où? Sur le bouton Y. Tout comme toi, un grand malheur s'est abattu sur nous. Avec l'aide de ce Luma, tu dois sauver nos amis les grands étoiles. Que les éclats d'étoiles te protègent. Intéressant. Elle est grande, hein? Je sais pas si ça fait la taille de Peach. Veuillez me pardonner. Quand tu vois... Une chose a l'air fragile comme celle-là, agite. Ouais, il tourne à la manette, on s'en fout. Tu peux aussi utiliser le pneu de... Touche un ennemi en tournoyant, il sera assommé. Ok. Non, je vais appuyer sur Y, ça allait beaucoup plus vite. Intéressant. Je t'avais préparé un anneau étoile. Mais une météorite est tombée, il est éclaté en morceaux. Ouais, t'inquiète, je vais récupérer tes petits morceaux, mon pote. Tu ne vas pas pouvoir partir de cette planète. C'est moi qui t'ai dit. Où sont tombés les morceaux? Je cherche les, mais fais attention où tu mets les TP. Dans les pieds, les TP. Il y en a déjà une ici. Oh là là, comme ils étaient moches un peu les Goombas là, à cette époque là. Je les préfère mieux maintenant. Vous avez gagné une vide. Une vide. Non, je rigole. C'est une vie. Une vide. Le mec il m'a sorti. Bon, je sais où ils sont les deux. Pouf. Non, je les aime pas du tout les Goombas là, de Super Mario Galaxy, par contre. C'est peut-être con ce que je dis, mais ils sont moches un peu.
Je l'ai préfermé maintenant. Ou peut-être que c'est une autre version. D'autre origine. Croisé de je sais pas avec quoi, avec quoi. Oh là là. C'est vrai que... Quoi? C'est la première fois que je fais ça? Bon, c'est bon, j'arrête. Mais c'est bizarre. Sors-moi de là. L'un des ennemis doit avoir la clé. Oui, oui, c'est bon, ça je sais. Ferme ta gueule. Bah, c'est le dernier que j'ai pas tué. Ok. Merci, tu veux bien aider aussi mes amis qui sont là-haut, dans la forteresse. Je vais me changer en anneau d'étoile. Utilise-moi pour te rendre la... Transformation. C'est un peu spécial quand même ces étoiles, hein. Oh, mais tu tournes pas. Wow. Oh, intéressant pour l'avenir. Intéressant. C'est moi qui vous le dis. Si tu as perdu de l'énergie, ramasse une pièce pour retrouver tes forces. Ça par contre, je comprendrai jamais le délire. Récupère de la... Putain, mais quel boulot aussi. Mais bon, s'en fout. Putain. Oh, il est énorme lui par contre. J'arrive, mon Pékin. J'espère que le son du jeu n'est pas fort. Parce que je m'en voudrais un peu. J'ai pas envie de vous péter les oreilles non plus. Dépêche-toi, mes amis, ils sont à l'intérieur. Hmm. Ça fait un peu mal aux yeux, hein. Je t'attendais. Bah pas moi. Ceci est une grande étoile. C'est notre ami. Ils veulent construire quelque chose avec cette machine en se servant de la puissance de la grande étoile. Si ça continue, ils vont aspirer toute l'énergie de la grande étoile et il s'éteindra. Et elle s'éteindra, pardon. Je t'en prie, tu dois arrêter cette machine. Sauve la grande étoile. Mais par contre, ce que j'aime bien dans les Mario, c'est... Non, mais c'est quand même énorme. Faut se l'avouer. Faut se l'avouer, je te dis. Aïe, putain, mais... Dans Super Mario 64, c'était des petites étoiles de force. Comme on aura encore dans les Super Mario... Mario Galaxy. Oui, attendez, c'est bon. Mais par contre, il y a un truc qui a été rajouté. Merde. Rajouté dans le. Marche sur les panneaux d'interrupteur au sol pour arrêter la machine. Faut pas être un peu con. Je pense. Ouais, dans les Super Mario Galaxy, il y a une grande étoile. Comme si c'était 10 petites étoiles qui se transformaient en immense étoile. T'sais. Vous avez obtenu une grande étoile. Par contre, la musique. Comment elle pète ça. Hein. Petite étoile, grande étoile. Après, on a des soleils. Et maintenant, année 2018, on a eu des lunes. C'est quoi la prochaine fois? Vous avez trouvé une étoile de portail céleste, la grande étoile emprisonnée. Nouveau record.
Nouvelle galaxie a été découverte. Intéressant. Oh, le brasier de l'observatoire flamboie à nouveau. Il ne brille encore que de la faible lumière d'une étoile de classe 6. Mais les Lumas devraient être rassurés. Tout cela, c'est grâce à toi et à la grande étoile que tu as sauvée. Le peuple des étoiles est tellement important à mes yeux. Ils sont comme ma famille. Sois le bienvenu sur l'observatoire de la comète. C'est ici notre demeure au peuple des étoiles et à moi. Nous voyageons sur l'océan d'étoiles à bord de notre astronef. Ok, l'observatoire de la comète. Alors que nous sillonnions, cette partie de l'espace, l'énergie de notre astronef a soudain été inspirée par une étrange force. Et elle s'est échappée en même temps que les éclats d'étoiles. Notre source d'énergie, oui, ce sont les super étoiles. Respire. Maintenant qu'il a perdu son énergie, notre astronef est paralysé comme plongé dans un profond sommeil. Ceux qui ont enlevé ses celtes chers. What the fuck? C'est bien ça, hein? J'ai eu un doute d'un coup. Se sont également emparés des super étoiles. Ils ont ainsi acquis la faculté de voyager entre les galaxies. J'ai un service à te demander. Cet observatoire nous permet, grâce à la puissance stellaire des étoiles, d'observer les galaxies éparpillées dans l'univers. Oh, putain, j'ai du mal à lire, excusez-moi, putain, je vous jure. La puissance stellaire des étoiles, qui vient de nous être restituée, ne nous permet d'observer que les étoiles proches, très proches. Nous observons les galaxies, depuis ces salles rondes que nous appelons des dômes. Mais l'énergie stellaire actuelle ne permet qu'à celui que nous appelons la terrasse de fonctionner. Rends-toi d'abord à la terrasse d'observatoire des étoiles, tu pourras accéder aux galaxies qui sont visibles de là et sauver les super étoiles. Oh, il est noir lui. Il est beau gosse. Nous devons faire en sorte que notre observatoire de la comète retrouve ses capacités d'astronef. Ça me fait penser à un nom de ouf. Nous pourrons alors nous lancer à la poursuite de ceux qui ont volé les super étoiles. S'il te plaît, arrête de parler, j'ai la tête qui tourne. Voulez-vous regarder où? Je joue, je regarde même pas le temps combien ça fait. Ouais, 28 minutes à tout casser. Parlez! Les super étoiles sont nos amis. Je t'en prie, tu dois nous aider. Et si j'ai pas envie? Et trouvons ici un besoin de combat. Je veux rentrer à la casse-bas! Au secours! Par contre, ça, c'est beau, ça. Je voudrais bien savoir ça. C'est le royaume champignon avec, à ce qui paraît, les théories. Parce que j'aime les théories. Et je suis fan des théories. Avec le royaume Hyrule et machin chose et cochonnerie d'autres. Je sais pas, mais en tout cas, c'est immense. Viens me pardonner. Et notre maison à maman et à tous. Oh oui, oh non. J'ai réussi qu'une seule fois à terminer le jeu à 100% avec les étoiles vertes. Bon bref, on n'a pas le temps de faire Mimuse. Voici l'un des nombreux dames. Nous l'appelons la terrasse d'observatoire des étoiles. Phew! Bienvenue. Ce dôme est un poste d'observatoire de l'espace. Sans blague. Il permet d'observer toutes sortes de galaxies et les étudier. C'est moi qui sera ton guide à travers les galaxies. Pointe l'étoile qu'on peint. Ouais.
et appuie sur... si tu ne vois plus, réinitialiser sa position avec R. En mode... Ouais, bah c'est bon. Ça m'a saoulé. Ouais. C'est tellement beau. Franchement, les amis, je kiffe les sons de Super Mario Galaxy. Les astres qui apparaissent ici représentent les galaxies que l'on peut observer depuis ce dôme. Les nombres qui y sont inscrits indiquent leur distance par rapport à l'observatoire. C'est loin. Autrement dit, la puissance nécessaire pour les atteindre. Puis tu rassembleras de super étoiles, puis tu pourras voyager loin. Intéressant. On est plus rapide que Superman. Le mec. Nouvelle galaxie. Attendez, attendez. Ça, c'est une galaxie, ça? C'est pas une galaxie, ça. C'est pas une galaxie, attendez. Ça, c'est une galaxie pour moi. Chez moi, c'est une galaxie, ça. Ça, c'est une planète. Ou plusieurs minuscules planètes, j'en sais rien. On est tout petit. Là, c'est la Terre. Vers là, c'est la Lune. Et là, c'est le reste. Non, là, c'est le Soleil. Nous, on est là. Ou plutôt vers là. Wow. L'énergie caractéristique des super étoiles a été détectée dans une galaxie le plus proche de nous. Mais elles semblent également être entourées d'une aura maléfique. Fais bien attention. Faut se l'avouer franchement, les amis. Bowser, c'est l'un des ennemis les plus badass. Ouais, y'a Ganondorf. Ouais, y'a tel et tel. Plus super méchant, mais je m'en bats la reine. Des planètes, des œufs et des dinos piranhas. Dino piranha. La plante piranha. Eh, mais attendez. Dino piranha et la plante piranha dans Super Mario Sunshine. Et allié aussi dans Super Smash Bros. Brawl sur la Wii aussi. Et oui, je connais un peu quand même, les amis. Oh. Ok, c'est quand les écrase, ça fait une pièce. Ça c'est génial. Et par contre, attendez. Je sais qu'on peut y aller. On prend pas pour un connard, ok. Mais on peut pas y aller en fait. Comment on fait? Ok. Tu peux ramasser les fragments d'étoiles simplement. Oh putain, vas-y, ta gueule. Oui, blablabla, je suis pas en mode portable. Sinon, je pourrais pas enregistrer mes vidéos. Par contre, les amis. Oh, tu vas où toi? J'ai un problème. Vous voulez que je fasse combien les épisodes? Qui dure combien de temps les épisodes? Parce que moi, ça me dérange pas de tourner une heure par contre. Là. Dans ce jeu, ça me dérange vraiment pas de tourner une heure. Rien que les musiques, les mélodies, les méchants Mario. Tout est beau dans ce putain de jeu, je vous le promets. Toi, je suis pas y allé, toi, par contre. Il me semble. Mais peut-être que si. Peut-être que non. Pour ça, il faut faire ça. Voilà. Oui, je connais Super Mario Galaxy. Une vie, je sais même pas combien on a de vie, ça ne le marque pas. Dom, dom, dom. J'ai même pas vu, putain. J'ai même pas vu combien on avait de vie. C'est joli. Hein. Lire. Si tu es fatigué et que tu veux revenir à l'observatoire, appuie sur
Ok, retourner. Ok, ok. Eh ben, je veux rentrer. Je déconne, honte. Maintenant, on a assez... Wow. On a assez fait un mumuse. Maintenant, c'est l'heure de... Faut que ça débouche. Mon ami est par là-bas, vite. Dépêche-toi. Tant que j'ai oublié beaucoup de choses, j'en ai rien à foutre. Je vais avancer dans l'histoire. Oui. Si tu as perdu de l'énergie... Oh putain, vas-y. Ils vont pas tout le temps nous répéter la même chose. Par contre... C'est quand... Ah, on peut appuyer sur... Ok, c'est comme dans Super Mario 64. Y pour ça, B pour sauter, A pour sauter, et on peut appuyer aussi sur X pour ça. Ceux qui préfèrent X, A ou Y, B. Moi, je préfère mes Y, B. Utim, Y, B. Et vous. Par contre, c'est quand je joue à 2, je m'en souviens, ma petite sœur, elle aime bien jouer avec moi, oui, je le précise. C'est, elle prenait ça, elle l'arrêtait, et ça, pouf, ça faisait plein d'étoiles. Mais bon. Par contre... Je sais pas comment on pourrait faire pour les dégommer. Ça fait quoi si... J'ai envie d'essayer, attendez. Non, j'ai plus envie du tout d'essayer, je vais crever. Vite, mon ami. Vite, vite, vite. Il m'en manque un, il m'en manque un. On prend tous en temps. S'il te plaît, fais pas ta twin. Bah, t'es où? Oh, t'es là. J'aime bien la gravité. Ça me fait penser sur la lune. Ouais, je sais, il n'y a pas que la lune, blablabla. Par contre, mon ami, voilà. Oh, ta race! Attends, 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 attends. Tiens, connard. Par contre, là, je vais secouer la manette. Va secouer la manette, c'est moi qui vous le dis. Allez, vas-y. What the fuck? Attendez, je sais qu'on peut les détruire, mais oui, putain. Je m'en suis douté qu'on pouvait les détruire. Genre, il y a un côté rouge et... Tiens, dans ta gueule. Ça me fait gagner plein d'étoiles. Attendez. D'accord. Je pensais qu'il m'avait bouffé, mais en fait, pas du tout. C'est quoi, ça? C'est une première. Je vous promets que c'est une première. Évite de tomber, c'est con. Oh, par contre, ça, c'est une première. Oh, putain, je vais le répéter, mais je vous promets que c'est une première. Et ça sert à quoi? À rien du tout, bien sûr. Juste à gagner plein d'étoiles, ouais. Qu'est-ce qu'on a rien à foutre? Eh, pé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 p
J'en sais rien si c'est une femelle ou un mâle. Je m'en bats la reine. Boum! Par contre, c'est le boss le plus nul. En fait, en tant que logique, c'est une question de logique. Elle meurt juste parce que... Non, elle meurt à cause de sa queue, en fait, d'une part. Elle meurt à cause de sa faute, d'une part. C'est un peu con. C'est mon point de vue, après. Je sais qu'on va la redéfoncer en mode très vénère. Aïe, Taras. Par contre, la première fois quand j'ai joué, j'ai cru que j'allais vraiment pleurer, par contre. Oui, je dis mes sentiments cachés, d'accord. J'ai pas aimé son cri. Ça m'a fait mal au cœur de la tuer. Je sais même pas si elle est... Dans les jeux Mario, on sait même pas s'ils meurent, les monstres. Les monstres, les boss, ou je sais pas quoi, The Biwolomiku. Ouais, notre toute première minuscule étoile. Elle est jolie. Elle est pas en mode 2D, on va dire ça comme ça. Pointu, on va dire ça plutôt comme ça. Écoutez. Je viens de faire des épisodes de 50 minutes. Si ça vous plaît, faites-le moi savoir. Avec des énormes pouces, blablabla. Parce que moi j'aime les énormes pouces, blablabla. Façon de parler. Tu as dû remarquer les éclats d'étoiles qu'on voit briller un peu partout, n'est-ce pas? On les appelle des fragments d'étoiles et nous, les humains, on sommes très friandes. C'est notre source d'énergie. Vise-moi, blablabla. Écoute. Pour utiliser... Pour tirer sur tes ennemis. Ouais, mais je vais pas les gaspiller, c'est ça. Hein. Vise-moi et donne-moi des fragments d'étoiles. Wow. Bravo, disons que... Ce sera ma rémunération pour cette leçon. D'accord. C'est moi où il brille plus qu'avant. Les fragments d'étoiles te serviront, te sont très utiles dans l'aventure. Sur tes ennemis, mais aussi partage-les avec les lumas affamés qui... Veuillez me parler. Bon, pour moi, il est 42 minutes. On va tout casser. On peut y aller là? On peut y aller là? On va chercher la deuxième étoile. Et on la terminera pour la prochaine fois. Un appétit cosmique. Non, un appétit. Pourquoi une appétit? Qu'est-ce que j'ai à mal lire? Je suis fatigué. J'ai terminé mon sport il n'y a pas si longtemps. Oui, j'ai repris il n'y a pas si longtemps. Pendant ma pause d'une semaine. Si vous n'avez pas suivi toutes mes vidéos. L'épisode 8 de Super Mario 64, vous comprenez? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je vous le promets, il est beau. Il est très beau ce jeu, je le kiffe, putain. Écoutez, j'ai envie de... Vu qu'on est pour la dernière étoile, dernière étape de la première... Épisode, première partie... De ce Super Mario Galaxy, j'allais dire 64, mais non. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais cassez-vous, putain de sensu. Pourquoi on est obligé de les buter? Ils veulent juste notre sang, c'est normal. Mec. Quoi? Pourquoi j'ai eu une vie gratuite? Parce que j'ai eu 50? J'ai pas compris. Hein? Tu te souviens, tu peux tirer les... Ouais, je vais te le faire une fois. On va faire une fois pour montrer. Boum. Quoi? Quoi? Boum dans ta gueule. Voilà, j'en ai gaspillé deux bêtement, là. Intéressant. Par là, il y a un de mes camarades très gourmand. Si tu le rencontres, tu voudras bien l'écouter. Ouais, vas-y. Si tu joues... Oh, putain. Ah, merde, faut rester appuyé, d'accord.
Et oui, c'est une technique. Une sorte d'habitude. Est-ce que ce serait pas le Luma énorme, la toureuse? Intérêt. Aïe. Sans. Visez bien, sinon, parce que s'il revient vers vous, vous perdez une vie, si je m'en souviens. Vas-y, me casse ta mère, toi. T'es moche. Eh, hey, mais attendez, vous voyez qu'est-ce que je vous avais dit? Non, non, non. Genre, ou je viens d'halluciner? Ceux-là, ils sont beaucoup plus beaux. Ils sont plus originaux. Regardez ce que ça fait. Ah non, on perd pas de la vie, ok. Oh, j'ai une mouche très bizarroïde. Écoutez, on est là pour récupérer des items, non? Boum, dans ta gueule. Wow. Non, putain, mais tu sais pas viser ou quoi? Bon, tu... Ah bon. Quoi? Oh, merde! Vous voyez, dans ces moments-là, faut rester concentré. Je suis dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais sans... Aïe, putain. Sans blague, les mecs. Mec, si je te touche pas... Écoutez, si je me laissais crever... Combien de temps? Ouf. Ouais, si. Notre première défaite, mais je l'ai fait exprès, donc pour moi, ça ne compte pas. Par contre, on va faire ça hyper vite. Wouhou! C'était peut-être pas celui-là que je voulais faire. Ou y aller, plutôt. Je vous jure, vous me saoulez. On récupère. Vas-y, une casse-toi, s'il te plaît. Boum. Oui, je veux y aller par là, s'il te plaît. Allez, 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 allez. Celui-là, là. On va pas récupérer toutes les étoiles. Juste à part ceux qui sont en mode cristal. Il est où ce con? Si, regardez, ceux-là, ils sont beaucoup plus beaux. Que dans la première partie. J'espère que vous en souvenez. Allez, concentration. J'ai réussi, je m'en bats les couilles. C'est le mec. Il est là. Il est là, notre cher copain. Le gros gourmand. Par contre, on va faire plutôt ça comme ça. On va pas aller le voir maintenant. Putain, puisque j'ai assez d'étoiles. Me demande pas l'impossible. C'est bon ou pas? J'en ai marre de cette vue. Ding ding, étoile 1, tu n'aurais pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je veux en manger plein, plein, plein. Ding ding, je veux des fragments d'étoiles. Si tu m'en donnes 100, je te me transformerai. Si j'ai pas envie de t'en donner. Non, je déconne. T'as de la chance que j'en ai. Beaucoup! Il va péter le truc. Ça y est, ça y est. Je suis répu. Je connais pas ce mot. Alors on y va. Transformation. Roupoupoum. Ah, notre première étoile secrète cachette. Il me semble. Une nouvelle planète est née. C'est stylé. Je
Je sais pas si c'est vraiment une étoile, mais nous allons voir ça tout de suite. Par contre, on va récupérer encore plein d'étoiles. Parce que dans l'avenir, ils vont nous en demander plein, beaucoup trop. Putain, c'est pas une étoile, c'était une pièce. Les deux en même temps. Par contre, ça c'est chiant. Oh, quoique. Ouais, non. T'en peux pas donner des patates comme dans Super Mario 64? Ça pique. Par contre, cette musique, bof, hein. J'aime toutes les musiques, mais... voilà quoi. Non, je me suis trompé de côté. Oui, je sais qu'on peut faire comme dans tous les Mario. C'était de mieux en mieux. Non, putain de merde, t'es sérieux là, mec. Zblouk. Non. Ouais, je m'en fous, je préfère mieux appuyer sur le bouton. Wow, wow, tu vas où? Non! Putain, les mecs, je vous jure. Heureusement qu'on peut faire... Oh, les gens. Non. Oh, c'est bon. Mais on n'a pas eu d'étoile secrète? C'est nul! C'est nul! Ok, c'est nul! Par contre, on va faire bien le tour. Je pensais qu'on pouvait les prendre. Moi, je m'en foutais. On fait le tour. Oui, blablabla. Il est là, l'entrée. Putain. Mais ceux-là, ils sont plus beaux. C'est moi ou j'hallucine? Avant, il y avait des Goombas hyper dégueulasses, non? Je t'ai halluciné, c'est pas normal. C'est la fatigue du sport. De la bonne fatigue. Allez, putain. Attendez quoi? Mais non. Putain, concentre-toi par contre. Ok. Ta gueule. Trop balèze le mec. Bon, je sais que l'entrée est par là, mais attendez. Ouais, si c'est bon. Des étoiles. Du coup, on... Mais attendez, mais ça veut dire que Super Mario Galaxy, ça veut dire c'est l'origine de Super Mario? Non, c'est pas possible. Je raconte que de la merde. Si, ça c'est obligé que c'est une étoile secrète. Mais non. Qu'est-ce que tu racontes? Ta gueule et joue. En ce moment, là, on peut pas tomber dans le vide. En gros, si on voit un trou noir, ça veut dire... Comme celui-là, par exemple. Voilà, le gros, là, ça veut dire qu'on tombe dans le vide. Oh. Ok, d'accord. Je m'en rappelle plus trop comment il fallait faire. Maintenant, oui. Quoi? Non, mec. Mais quoi, mec? Putain, t'es sérieux, là? Mais c'est pas ça que je fais? Attendez. Ah bon? Ça sera tout pour aujourd'hui. Ouais. Désolé, mais j'ai envie de faire des vidéos de 50 minutes par contre pour ce jeu. J'ai envie de continuer de jouer. Pourquoi?
425. Une nouvelle galaxie a été découverte. Et nous allons voir ça dans le prochain épisode. Oh bravo Simon! Grâce à toi, nous avons découvert une nouvelle galaxie. Plus tu rassembleras de super minuscules étoiles, plus notre champ de vision s'élargira. Jusqu'à ce que nous puissions afin de découvrir la base de nos ennemis. Ah wesh, je veux pas sauvegarder. Oh, je vous le promets, putain. Écoutez-moi cette mélodie. Oh là là. Putain, mais... C'est... Je pose ma manette et je vous parle deux petites secondes. En fait, le Mario que j'aime le plus au monde, ce sont les Super Mario Galaxy 1 et 2. Le plus. Le troisième, c'est Super Mario Sunshine. Et après les autres, je les ai... J'ai pas joué à tous les Super Mario Bros. Ou 3D Land ou 3D World. Ou bien sûr d'autres, comme Odyssey et bien d'autres cochonneries. Je les ai pas tous joués, du coup, je dis juste par mon expérience du passé. Mais je pense qu'ils resteront toujours les premiers de ma liste. Mais en tout cas, ce serait tellement mortel qu'ils font un troisième Super Mario Galaxy 3. Putain, c'est quand vous allez le faire? Je suis prêt à vous payer pour que vous fassiez. J'ai pas de sous, malheureusement. Je vous le promets, putain. Oh là là. Il est trop beau, il est trop bien. Et j'aime les mélodies, surtout les mélodies. La musique, oh là là. Le graphisme, qu'est-ce que c'est beau, putain. C'est beau. Bref. J'espère sincèrement que ce nouveau Let's Play Gameplay, c'est un nouveau jeu de Super Mario Galaxy, va vous plaire. Moi, il me plaît déjà. Je suis content de pouvoir y jouer. Sincèrement, je suis content de pouvoir re-y jouer plutôt et le faire en vidéo avec votre compagnie. Mais en tout cas, si c'est le cas, si vous avez aimé, mettez un énorme pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez suivre mes chères aventures. En tout cas, énorme bisous. Faites de beaux rêves. Et un de ces quatre pour nos prochains épisodes. Mamma mia. Je kiffe ce jeu.